Bonjour mes youtubeurs, bonjour mes youpies, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce n'est plus le thème d'erreur, et oui je verse la petite larme parce que bon j'en ai pas acheté forcément cette année, je suis un peu dégoûtée. Du coup aujourd'hui c'est le nouveau thème, et aujourd'hui c'est le thème Spring 2, je sais pas quoi. Nous allons faire le thème ensemble, et oui c'est pas dans mes habitudes de parler, et ça me fait plaisir de parler aujourd'hui. Parce que y a beaucoup de gens qui me demandent de parler un peu plus dans mes vidéos, et bien voilà. Donc je vais faire le thème avec vous. Donc on va essayer d'être un peu rapide, parce que d'habitude je parais très rapide pour ce genre de choses. Donc c'est Spring Fling, donc ce truc de printemps, je sais pas quoi, comme dirait Harekusu. Donc on va tout de suite faire le thème. Donc les cheveux comme ça, déjà je m'imprègne du thème, vous voyez, je regarde toutes les pages et tout. Je dis pas ça positivement parce qu'il y a vraiment des coupes de merde, vraiment il y a vraiment des coupes de caca. Je trouve personnellement que le thème d'erreur ne dure pas assez longtemps, il devrait durer 2 semaines. Et oui, on est trop gourmande dans la team Melo. J'aime bien ce haut, donc je pense que ce haut je vais le mettre en blanc, voilà, parce que c'est printanier. On va mettre une petite veste en jean. Alors des gens, en fait c'est trop rigolo parce que il y a des gens sur MSP qui m'ont pris pour une pirateuse, parce que sur MSP genre j'ai un look de pirateuse, vous voyez là. C'est juste un thème rare en fait, je suis pas une pirateuse, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que Melo Kimiko ne pirate pas, trop sensible, a peur des représailles et du malheur pourrait m'arriver si je pirate quelqu'un. Donc non, je suis pas pirateuse, je sais pas où est-ce qu'elle a vu ça. C'est pas parce que j'ai un look comme ça que forcément je suis une pirateuse tout de suite, ça y est c'est la podcast libre. Donc voilà, détends-toi, je suis pas une pirateuse. Donc aussi c'est grave parce que dans mes lives je vous raconte un peu ma vie dans ce thème, parce que bon voilà, il y a des gens qui me prennent pour une modératrice de MSP, mais what the fuck. Non, pas modératrice d'MSP, même si je l'étais, je le dirais pas. Mais sinon, non, je suis pas modératrice d'MSP. Je sais pas ce qui vous fait dire en fait que je suis une modératrice d'MSP. Fais-moi un commentaire, c'est bizarre. C'est trop fort en fait. Moi j'aime bien, mais enfin, c'est bizarre. J'ai jamais eu affaire à ça, donc c'est un peu chelou. Aussi, j'ai vu que Real Paul avait refait une chaîne YouTube. C'est pas la peine d'aller insulter Real Paul sur sa vidéo. Voilà, il s'excuse. Il raconte un petit peu sa vie, de quoi il a fait ça, enfin de tous ses petits problèmes. Moi j'étais là voir. Personnellement je me suis réabonnée à sa chaîne parce que je trouve que ça se fait pas. Voilà, c'est un youtubeur comme un autre, voilà, il a fait une boulette. Moi ça peut m'arriver aussi de faire des bêtises. Faut pas lui en vouloir parce que la terre entière lui en veut. C'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a 50 personnes qui lui en veut que vous aussi vous devez lui en vouloir. Real Paul, je lui ai déjà parlé il me semble sur Skype. Bah, moi personnellement je trouve sympa, moi il n'y a pas de problème. Donc ça sert à rien de vous mettre à je sais pas combien contre lui, voilà. Il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il pensait sur les chaînes MSP, je ne citerai pas de nom bien sûr. Et voilà, moi je suis pas du tout contre lui, personnellement moi voilà. Je me suis pas éternisée à faire une vidéo sur lui en disant ouais c'est un menteur, nina, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément dans mon fil d'actualité des personnes qui mettaient des vidéos sur lui. Et c'était grave chiant parce que je voyais que de ça et tout ça. Enfin c'était qu'est-ce que lui. Il a le droit, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des bêtises dans la vie. De remettre le couteau dans la plaie on va dire, et puis encore plus l'enfoncer, parce que bon, dans les YouTube MSP, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens injustes, et ça c'est vrai, je pense que beaucoup de gens sur ma chaîne le savent, MSP est un peu capricieux, en fin de compte, c'est un peu un monde un peu bizarre, parce que tout le monde s'en veut, un coup tout le monde se fait des bisous, après tout le monde s'en veut, donc c'est un peu chelou, donc faut arrêter de se faire la guerre, et puis de plutôt de se soutenir, voilà, on est sur du YouTube MSP, c'est pas parce qu'on est YouTuber qu'on doit vraiment se faire la guerre, parce que faut rester tout seul, faut rester tout seul parce que voilà, on n'est pas censé être potes, on est censé un peu se dominer parce que voilà, toi t'es plus fort que moi, je comprends pas, gna gna, voilà. C'était une petite parenthèse comme ça pour vous expliquer qu'il faut pas, faut arrêter de se faire la guéguerre et tout, voilà, même malgré que vous êtes des enfants, vous êtes quand même des grandes personnes maintenant, donc vous êtes grands, vous êtes matures, vous devez comprendre. S'il y a des gens qui comprennent pas, ben voilà, soit qu'ils se désabonnent de ma chaîne, mais enfin bon, voilà. Aussi, je voulais vous expliquer un truc, les pubs, enfin les live pubs que je peux faire en ce moment, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de live pubs et de vidéos, enfin de live sur Paladin. Donc Paladin, j'explique, c'est un jeu un peu comme League of Legends, mais en plus facile. Je fais des lives dessus, j'ai beaucoup de gens qui ça les saoule, tout ça, gna gna gna. Je vais un peu calmer les live pubs parce que j'ai appris que beaucoup de chaînes pubs ont été suspendues par rapport aux live pubs, donc je vais peut-être arrêter parce que j'ai pas envie de me faire supprimer ma chaîne. Ma chaîne avant tout c'est quelque chose auquel je tiens. J'ai pas envie de la perdre, j'ai pas envie de perdre ma communauté. Si je perds ma chaîne, là je vais me sentir vraiment 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 très mal. Aussi je vais revenir sur un sujet qui me tient à cœur parce que j'en ai marre qu'on me pose la même question.
que oui, je ne réponds pas aux messages MSP, ou très peu, comme aujourd'hui. Là, juste après cette vidéo, je pourrai répondre tout simplement parce que les gens, les enfants sont à l'école et ne sont pas sur MSP. Donc après, je pourrais répondre sur MSP, même vous faire une petite vidéo. Je réponds aux messages MSP. Voilà, donc après, je vais répondre aux messages parce que oui, il y a beaucoup de gens aussi qui m'insultent par rapport au fait que je ne réponds pas aux messages. Mais je suis désolée, mais je ne peux pas toujours répondre à tout le monde. Je vous aime vraiment sur 18 199, je vous aime les 18 199 abonnés. Je vous aime tous. Je fais des bisous sur les fesses, mais franchement, je peux pas répondre à tout le monde. Je suis désolée, j'essaye de faire la part des choses. Il y a des gens qui veulent faire des appels avec moi sur Skype, je n'accepte pas par rapport au respect que j'ai pour les autres abonnés qui n'ont pas la chance malheureusement d'être en appel avec moi, mais je sais pas trop si c'est une chance, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'aime pas faire des différences entre j'appelle une abonnée et après j'ai plein d'abonnés qui me demandent et je ne refuse, donc ça non, je ne peux pas, je ne trouve pas ça bien, donc non, je suis désolée, personnellement personne ne m'appelle sur Skype. Il y a des abonnés qui ont beaucoup de respect pour moi, et ça j'aime beaucoup, qui ne m'appellent pas par rapport à mon choix, mais des personnes qui m'harcèlent beaucoup. Alors sachez que je supprime les personnes qui m'harcèlent sur Skype, qui m'harcèlent d'appel par exemple, parce que je ne peux pas gérer en fait, c'est pas possible, je ne peux pas répondre aux appels, je n'ai pas envie. Ce qui concerne les draws MSP, je tenais à vous dire, putain c'est un end spinner, mais c'est une blague ou pas? Mais non. Putain, ça y est, le MSP game s'est mis au end spinner. C'est une blague ou pas? Ok, je vais rester calme, ça sert à rien que ça. Oh non, mais vive l'originalité quoi. Et bon, ce que je disais par rapport au YouTube, au draw MSP, j'ai un peu stoppé en ce moment parce que j'ai pas forcément envie de dessiner. Donc soyez patient, vous êtes toujours sur la liste est dans mon bloc-notes. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mes mots de passe. Mais sinon oui, vous êtes tous notés, donc ça sert à rien de marceler si vous voulez, mais les dessins vont arriver, mais il faut juste que je me reprenne un peu. En ce moment il fait chaud, je suis un peu fatiguée. On va acheter trois animations, je crois que j'ai fait trois looks, je sais plus. Donc moi oui, j'achète tous mes décors, je fais pas de capture d'écran parce que je trouve que la qualité elle est pourrie. Je me demandais si vous pourriez vous abonner à la chaîne de Viperius, donc Viperius qui était hier en live. Des fois ça m'arrive de faire des petites pubs comme ça sur mes vidéos, donc Viperius qui est un pote de Irl, donc de la vraie vie, donc il habite près de chez moi. J'aimerais vraiment lui faire une petite pub parce qu'il est vraiment sympa et en fait si vous voulez, c'est un gars qui a commencé YouTube bien avant moi, donc Viperius en fait il a en fait ça me fait chier qu'il ait que 859 abonnés et que moi j'aimerais qu'il ait ses 1000 abonnés parce que voilà, il s'arrache le cul à faire des vidéos et tout et des lives pour vous et voilà, il est très drôle, voilà, il a un humour extrême, il est super, il est très gênant aussi, très malaisant. D'ailleurs on a bien vu dans le live hier si des gens s'en rappellent, donc ouais, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne, il est cool, il vous répondra, il fait du nightcore, il fait des musiques et des jeux, il fait des jeux d'horreur, il fait pas mal de choses, donc s'il y a une communauté de mecs sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à Viperius, voilà, j'y tiens vraiment, je fais vraiment une grosse pub pour lui. Il y a des personnes, voilà, je leur fais pas la pub parce qu'il y a des personnes, ils le méritent pas du tout, et je vise pas mal de personnes, et là franchement Viperius mérite sa pub, c'est une personne qui m'a toujours beaucoup soutenu, donc voilà, je tiens vraiment à ce que vous abonniez à sa chaîne, et je veux vraiment qu'il ait ses 1000 abonnés, ça serait genre trop génial qu'il ait ses 1000 grâce à moi, je serais genre trop fière de moi et de vous parce que c'est grâce à vous. Je vais vous montrer juste sa petite page d'accueil pour le coup. Voilà, Viperius, il fait des vidéos, il a une bannière, voilà, comme ça. Il fait des vidéos sur... Ah, je suis dedans en plus. Il fait des vidéos sur... Amnesia, là, je sais pas quoi. L'année 2017. Voilà, il fait des podcasts. Il fait des vidéos, voilà. Il fait des trucs d'humour. Il fait des trucs dans le collège, j'ai l'impression. Ouais, au collège. Il fait des vidéos, des nightcore, remix. Enfin bref, voilà. Il fait pas mal de choses, donc vraiment, abonnez-vous à sa chaîne. Faites-moi plaisir, faites-lui plaisir. Comme ça, ce soir, je lui envoie une petite capture d'écran de son compteur. Et voilà, il sera trop fier. Et moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que toutes mes explications vous auront plu et vous auront éclairci un petit peu dans ma vie sur YouTube en ce moment. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, je vous aime très fort.